Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pillars of Eternity 2, Deadfire. Donc j'ai un petit peu avancé vite fait en allant voir à la prison ce qu'il y avait d'intéressant en off, parce que voilà, faut que ça bouge un peu. Ça nous a permis de débloquer une quête qui consiste à aller jeter un œil rue Goretzky pour s'occuper d'un gang qui apparemment a profité de la tempête. Et du coup, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'interface pour se balader dans la ville, qui est assez intéressante. Donc on peut voir qu'on est ici, là, dans le port. Donc c'est là qu'on est arrivé par défaut. Et on peut voir pas mal d'infos sur la ville. On voit que c'est une ville portuaire, on voit sa population, les différentes religions. On voit qu'il y a tout un tas d'informations sur les matières premières qu'elle importe, qu'elle exporte, etc. Le type de population, donc ça présage de possibilités de pouvoir faire du commerce ou des échanges peut-être quand on aura notre bateau, ça paraît assez intéressant. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Là on va aller du coup rue Goretzky s'occuper de notre quête, donc on a besoin d'une heure pour y aller, oui, hein, pas de soucis, on y va. Donc, comme d'hab, on nous demande si possible de gérer le truc pacifiquement, on va voir ce qu'on peut faire. Le speech étant qu'il y a un gang qui profite du merdier pour foutre un petit peu la merde, donc du coup, il faut qu'on aille le calmer. Alors, alors que vous évoluez dans les petites rues de Port-Magé, vous constatez les dégâts visibles de la tempête. Plusieurs maisons présentent des fenêtres défoncées et des auvents déchirés, vous devez enjamber le feuillage et les débris qui jonchent les rues étroites. Il ne vous faut pas bien longtemps avant de retrouver les pieds pris dans un mélange de boue collante et de cailloux. Plus vous progressez, plus l'inondation empire le montant jusqu'à vos genoux. Ok, c'est la teuf. Mais des éclats de voix indistincts et le bruit d'occasionnelles éclaboussures vous indiquent que vous n'êtes pas tout à fait seul. Parfait, voyons ça. Alors déjà, il y a des âmes. Ah ouais, on avance en mode splorch quoi. Alors, ok, donc là on a des pilleurs qui nous attaquent direct, quoi. Pas de pitié. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un mec avec un arc ici. Deux autres là. Ok, donc on va fight. Ici, on va courir par là. Non. Lui, il va courir par là pour tanker un peu. Toi, tu vas courir attaquer ici. Et nous, on va attaquer là. Sachant qu'on n'est pas encore en combat. Voilà, donc là on lui met un coup de pistolet qui rate lamentablement. Donc on va pouvoir utiliser du coup notre... Alors là, on active ce truc là, frappe rapide. Ah ouais, mais on avance tellement lentement dans cette saloperie. Toi, occupe-toi de lui. Donc du coup ici, ouais faut attaquer hein. La vache, on avance tellement lentement dans le merdier, c'est ouf. Il semblait que j'avais activé ces trucs. Ok, elle prend cher hein, la pauvre. Donc du coup on va réactiver célérité, puisqu'on s'est fait plus ou moins interrompre. Ici on a droit à combien? 60 de concentration maintenant. Parfait, on a réussi à en tuer un, c'est nickel. Donc lui il continue de faire son taf, hein, peut-être utiliser quelques compétences histoire de le rendre plus efficace. Voilà, une petite interruption, on le renverse. Ici on va continuer de lui taper dessus. Toi t'as quoi? Précision, 28 contre force, récolte un ennemi. Si l'ennemi est ensanglanté ou proche de la mort, la récolte bénie lui infligera considérablement plus de dégâts. Pour l'instant, il a rien de tout ça. Restaurer, interdiction. On peut étourdir. Ah ouais, bon, c'est un peu gâché vu la zone d'effet du truc quoi. Putain, par contre, ouais, non, elle est en train de se faire défoncer les fesses elle. Donc on va se faire un peu plaisir. Voilà. Là on est à 60, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... Non, il est mort, ok parfait. Du coup ce qu'on va faire plutôt c'est aveugler celui-là. LS Restore. Toi faut que tu fasses quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe? Objet caché. Ah on a trouvé un objet. Attire-le toi. Merde, il a raté visiblement.
malheureusement. Ils en veulent à... ils en veulent à elle, hein, clairement. Hop là, on va leur mettre un petit truc dans la tronche. Ici, il faudrait qu'on bouffe quelqu'un pour pouvoir relancer notre frénésie, malheureusement. Mais bon, pour l'instant, on est full, donc c'est pas trop une priorité non plus. Ce serait bien de tracer la route là. Ouais, putain, la vache, comme on n'arrive pas à l'étourdir le con, on va essayer de l'aveugler. Ah bah, il est mort. Ça c'est fait. Ok, bon, c'était un combat pas très facile vu la vitesse de déplacement qu'on a, mais c'est géré. On va pouvoir parler à ce monsieur. Alors, je dois avoir un problème de vue, j'ai bouclié des yeux, je n'arrive pas à voir plus que des lumières floues dans cette obscurité, mais vous, vous m'aveuglez. Alors, on va lui demander c'est quoi la dernière chose dont il se souvient. La douleur, j'ai aidé une des marchandes à rassembler ses affaires, c'est là que les autres hommes sont venus. Ils m'ont frappé encore et encore, c'est pour ça que je ne vois plus rien. Donc on va lui dire qu'il est mort et que bah, c'est bien triste. Permettez-moi d'apaiser cette douleur, gardien. Donc elle peut faire des trucs visiblement, elle fait tourner sa lanterne autour de l'arme du défunt. Et ça permet qu'il se réveille. Donc j'imagine que c'est... Ok, là ça fait avancer cette quête là qui est niveau 4, mais... on peut quand même l'avancer visiblement. Donc elle a récolté une âme. C'est assez intéressant. Allez, allons ramasser le loot. Parce que c'est pas tout ça, mais il y a du loot. Ah oui, putain, la vache, c'est carrément du loot. Hein. On a quoi? Une turquoise, de l'eau, des chapeaux à la con, une petite armure, un arc à la con, une armure matelassée qui est kiff-kiff avec l'armure de cuir. Une arquebuse. Une hachette. Bon, on ramasse tout. Voilà. Donc il y a une fonctionnalité hein, qui permet de, quand on fouille un truc, de fouiller automatiquement tout ce qui est dans X mètres. Vous voyez par exemple, si je sélectionne ce corps là, l'autre se surligne en bleu. Ça veut dire que je vais fouiller les deux d'un coup. Si je fouille celui là, les trois vont être fouillés. On va donc le faire. On a trouvé un péridot et puis encore un peu de stuff. Il y avait un truc qui brillait ici, je sais pas bien ce que ça voulait dire de particulier. Alors, continuons de fouiller, tant qu'à faire, hein, puisque ils ont eu la gentillesse de tuer tout le monde à notre place, on va en profiter. Alors, dans l'objet caché, on a trouvé un porte-bonheur. Après la pluie vient le beau temps. Ok, oui, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette clé qu'on a? Ah oui, c'était la clé de la chambre, on a un pied de biche, très bien. Qu'est-ce que ça fait? Perception plus 1, la capacité s'active à être proche de la mort. Donc proche de la mort, on a de la santé sur la durée et on réduit les dégâts subis. Ça m'a l'air très intéressant pour elle ce truc là. Parce qu'on a vu que visiblement ils aimaient bien lui taper dessus et qu'elle prenait un peu cher. Mes compétences se sont désactivées encore. J'ai l'impression que ça se désactive pour je ne sais quelle raison. Les compétences d'armes, c'est un peu chiant. Ici on a trouvé une robe, ok, très bien. Il va falloir qu'on vende peut-être quand même un moment nos trucs. Hein. Donc nous ce qu'on cherchait c'était le gang de la rue Bidule. Je sais pas si c'était eux parce qu'on nous avait dit de les gérer de manière pacifique on va dire. On n'a pas trop eu l'occasion. Ah, ici il y a une autre âme, parfait. Ouais, il a récolté. Rien d'autre qu'une brume grise sans fin, ce n'est pas du tout l'au-delà qu'on m'avait promis. Alors, mon amie ici présente est une moissonneuse de Gaune, elle saura vous guider. D'accord, vous feriez mieux de me suivre alors. Elle s'adresse au vide, un peu à gauche de là où se trouve réellement la défunte. Mais dès qu'elle passe à l'enterre dans la vague forme de l'âme, les sens se glissent à l'intérieur. Donc elle ne le voit pas. Hein. Je sais pas trop ce qu'elle fait des âmes, j'espère que c'est pas un coup foireux. Le coup de mettre ses âmes dans la lanterne là. Bon, bah on va avancer. Ok, donc on y était presque. Ah. C'était eux les mecs là? Je vais vérifier la quête quand même. Rétablissement de l'ordre.
J'ai été attaqué par plusieurs pilleurs, mais aucun d'entre eux ne correspondait à la description d'Hillary. Ok, d'accord. Donc en fait, faut que je continue de fouiller la zone, visiblement. Il y a des trucs à faire. Pourtant, je peux pas scroller des masses avec mes touches. Enfin, elle doit être planquée dans un coin. Ah, bon, c'est un roturier, ça. Alors, on va lui parler quand même, on sait jamais. Alors, le petit baril, on va ramasser. Non, c'est pas ça. Il y a peut-être une porte ou une maison. On va fouiller, hein. On n'est pas en stress pour l'instant. Ah, mais on va tellement lentement par contre. Hein. C'est la catastrophe. Ok. Ouais, on a quand même plutôt bien fait le tour, moi je trouve. On va voir par là. Y'a rien du tout. Ouais, alors là, je vois pas trop le thème. On va essayer d'aller voir si sur les différents. Ça nous débloque pas des nouvelles zones si on va par les côtés pour voir. Sait-on jamais. Parce que les portes sont fermées là, on peut pas rentrer. Ouais, donc là on est complètement sur le côté, enfin en bas de la rue alors que tout à l'heure on était en haut. Ok. Elle doit être planquée quelque part la bonne femme. Enfin, Hillary. Je suppose que c'est une fille, mais c'est même pas sûr après tout. On va aller voir en haut. J'ai pas fait gaffe s'il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ah, il y a quelqu'un. Ah, il y a des gens. Voilà, c'est là. Ok. Donc là, on a Hillary et deux voyous. Deux voyous. Ok, bah, allons leur parler. C'est un mec, visiblement. Pas beaucoup de raisons de venir ici avant de chercher les ennuis. Vous les avez trouvés. Les mains du jeune elfe se portent sur la crosse de son pistolet. Un soupçon de sarcasme glisse sur ses lèvres alors qu'il vous observe. Alors. On peut lui demander ce qu'il fout là, on peut lui dire qu'on est envoyé pour mettre un terme au pillage, ou on peut attaquer sans préavis. On va le travailler un peu. C'est ma rue, et ce n'est pas un peu de pluie qui va changer ça. Cette pâle tempête n'a pas fait grand cas de cet endroit, parfait. Pas vrai, pardon. Mon gang et moi, nous préservons la paix ici, et les indigènes paient leur dû. Il ne reste rien d'autre que ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ok, bon bah dans ce cas-là, on va tenter le Pacifique en lui disant Savia m'envoie, elle veut qu'on mette un terme au pillage. Hillary renifle le nez plissé, il vous observe un long moment dans un silence flottant, puis il renverse la tête et explose d'un rire semblable à un désagréable mugissement. Alors, elle doit être désespérée, pas assez désespérée pour venir ici à genoux vous supplier elle-même, mais elle vous a envoyé. Non, voilà ma réponse, je prends ma part, ce serait absurde de gâcher une si bonne chose. Alors, on peut y jouer la diplomatie et lui dire... Aidez-la et vous devra une faveur, on peut lui filer de la thune, on peut l'attaquer, on va tenter la diplomatie. Une faveur? Je devrais probablement l'inviter à dîner. Les sourcils d'Hillary se rapprochent sous l'effet d'un gloussement contenu, il se passe un pouls le long de la mâchoire et les sourcils froncés. Ok, je le ferai, ça ne peut pas être si horrible que ça d'avoir une commandante dans sa poche. Dites à Savia que ce n'est pas définitif, dès que l'aux se retire et qu'on revient à la normale, ce sera fini, je transmettrai l'information. La rue Goressi est sous protection légale maintenant. Bon bah, j'espère qu'elle fera pas la gueule la dame, parce que c'était ça ou on les butait de toute façon, donc... Elle voulait une solution pacifique, on a trouvé une solution pacifique. Allez, c'est parti, on y va. Il y avait une autre personne dans la prison, un espèce d'ivrogne dans une cellule qui m'a proposé d'essayer de le faire évader en échange de rejoindre mon groupe. Ça me paraissait un peu une idée de merde. Hein. Le mec, il est moitié bourré, il prétend qu'il sait plus ou moins gérer les bateaux, mais il y a strictement rien qui nous le prouve. Enfin... Ça sent le pâté. Alors, il y a Xoti qui veut me parler. Ma lanterne pèse plus lourd à présent. J'ai presque l'impression d'entendre les âmes quand je l'agite. Alors... On va lui demander comment elle sent. Alors, visiblement, elle a rêvé de nous. Ok, intéressant. Vous arpentiez les profondeurs océaniques sans vous noyer. Dans votre main, vous teniez la clé de la fin d'Eora. Eora.
Ok. J'ai vu des étoiles contourner le front d'une statue et des âmes couler telles des larmes sur de l'Adra étincelant. Alors mon dieu s'en est allé au cœur de la tempête où il pourrait trouver l'obscurité. Ouais, ok. On va demander ce qu'elle pense d'Eotas. Ouais, non. Non. C'est pas... Je ferai éventuellement les dialogues en off, mais à part parler et vous spoiler, ça me paraît pas très très utile. Quand même garder quelques secrets si jamais vous voulez jouer au jeu. Alors... merde, elle est où? Elle est là-bas. La commandante. Keeping out of trouble. Vous tenez bien à carreau? Ok, alors du coup, on va lui dire, on a persuadé le mec de surveiller la rue. C'est un petit salopard, mais il est paresseux. Il ne crée des ennuis que s'il y est contraint. Il est plus simple de collaborer avec un visage familier pour l'instant, je pourrais m'occuper de lui plus tard. Une petite partie de Pormage est sans doute sous contrôle, un bon début. Ouais, bien tenez pour votre peine, si j'avais 10 hommes comme vous, en moins d'une semaine, tout serait rentré dans l'ordre. Donc il m'a filé 1100 pièces, ah ouais, bah c'est cool. T'as pas une autre quête, non? Non. Vous voyez, je peux lui filer 400 pièces de cuivre pour l'armure du mec qui est dans la cellule, là. L'armure, pff. L'amende, pardon. Mais, enfin, il sert à rien, quoi. Le mec, il est totalement bourré. Il m'a proposé aussi de faire carrément exploser les murs de sa cellule pour se barrer. Donc, sachant un peu l'arnaque, quoi, si vous voulez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la ville pour avancer un peu nos quêtes. Alors, on a la possibilité d'aller là. Est-ce que je peux voir ce que c'est avant d'y aller? Non, pas plus que ça. Comment je fais pour quitter carrément la ville? Quitter la ville à pied. Ok, d'accord. On va aller au village. J'ai envie de dire. Le village des Zuabas, là. Parce qu'on a non seulement leur grande prêtresse à rencontrer, mais en plus la bonne femme qui a tabassé Rinko, là. Faut qu'on éclaircisse cette histoire. Ça permettra de ramener un peu l'ordre aussi. Sachant que visiblement, c'est pas aussi net que nous l'a dit Rinko. Hein. Il joue aux cartes, ça s'est mal passé. Alors, bah il m'a l'air très bien ce petit village là, ma foi. En tout cas, il est pas complètement inondé, c'est déjà pas mal. On va d'abord parler à la Parle Tempête, avant de parler à Mokea. Respectons la hiérarchie. Alors, elle est assise sur une chaise à proximité du feu, elle a l'air bien plus à l'aise. Donc elle a plein de cicatrices sur le visage, mais m'évalue sans hostilité. Voici de nombreuses années que je n'avais pas rencontré quelqu'un comme vous. Et puis, les Valiens sont arrivés et beaucoup de choses ont changé. On m'a raconté ce qui est arrivé à votre bateau. Je le répète, vous êtes chanceux, c'est le seul navire à avoir survécu. En même temps, on a été coulés par la tempête, hein. Les pirates, on les avait défoncés. Je pouvais protéger Port Magé ou bien ses bateaux, mais pas les deux. Clario pense peut-être que j'ai fait de mauvais choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas assez de perception pour ça, on a de la compréhension. Là, il nous faudrait venir de l'archipel du feu éteint, plus être un homois oculaire, ok. On va tenter compréhension. On suppose que le gouverneur et elle ne s'entendent pas. Mieux qu'il n'y paraît, Clario peut être ramené à la raison, surtout si on l'approche avec un sou en poche. Ce n'est pas un homme cruel, je pense qu'il pourrait même apprécier sa vie sur l'île en étant affranchi de ses maîtres. Ok. On va lui demander si elle a vu le géant. Oui, l'un des anciens titans, disent les prêtres. Ondra est en colère même si nos prêtres ne savent pas pourquoi. Juste heureux qu'il soit allé ailleurs. Alors, le royaume de Ngati d'Ondra abrite de nombreuses créatures gigantesques. On prétend que les ancêtres de la tribu Karanga ainsi que leur reine ont signé des pactes avec de telles créatures, mais Pratt se demande si c'est son œuvre. On lui demande si elle peut nous aider. Oui, mais cela nécessitera l'aide de Clario. Pourquoi attendre son assentiment? Vous faites partie de son peuple, désormais il lui incombe de vous protéger, ok. On va demander si elle sait de quel côté le géant est parti. Non. Peut-être vous en dira-t-il davantage, peut-être que Clario a plus d'infos, ok, donc on revient à Clario. On va pas tout de suite lui dire que Mokea agit en fauteur de troubles, on va aller d'abord parler à la dite Mokea. Alors, une femme Momoa fait un pas de côté en se tournant vers vous et croise votre regard avec une expression intense. Des étrangers de tout type, voici ce que les Valiens nous ont emporté. Elle a pas l'air très heureuse. Alors, vous cherchez
Ikawa, donc du coup non. Donc on aurait quoi? Omoa ou alors Nain et ou Orlan, ok. Bon, on va y aller direct, hein, voilà, il dit qu'il vous a volé. Ça l'a fait rire. Le Valien, vous plaisantez, j'aurais dû jeter à la mer. Il ose me traiter de voleuse. Alors, on va lui demander ce qui s'est passé. Les Valiens sont des idiots, mais Ikawa sait faire du commerce, alors nous devons être patients. Nous devons les protéger contre les tempêtes de Ngati, alors même qu'ils dédaignent nos conseils. Ikawa m'a dit d'aller à la taverne, de parler avec des gens, d'apprendre la patience. Ça, c'est un peu raté. Et Ophania, la marchande, m'a appris à jouer aux cartes. Ce n'est qu'un jeu, et pourtant personne n'a voulu m'affronter à la taverne jusqu'à Rinko. Je le croyais aimable, jusqu'à ce que je gagne et que ça le mette en colère. Ce qu'il me traite devant les siens de sale insulaire et de tricheuse. Moi, une Mataru de Satahuzi. Alors, une Mataru, c'est quoi? Une guerrière, j'imagine? Caste la plus élevée de la société Uanoa. Ok. Pour cette raison, oui, je l'ai corrigé. En quoi est-ce que ça vous concerne? Alors, vous auriez dû en parler aux gardes, vous êtes accusé de vol. Rinko n'est qu'un marchand, il ne peut pas lutter contre vous, Arnegal. Non, il avait qu'à pas l'insulter. Il va perdre sa maison, il avait qu'à pas l'insulter. Gardez la bourse. Contentez-vous de me donner la bourse. On va lui dire qu'elle devrait en parler aux gardes. Je ne suis pas une voleuse, de quel droit m'insultez-vous? Si je juge nécessaire de punir un homme, il est de mon devoir de le faire. Alors, on va lui dire, si un Vélien enfreignait la loi Wana, une amende imposée par le gouverneur vous satisferait-elle? Alors, c'est différent, c'est notre île depuis longtemps. Ok, ça n'a pas tout à fait réussi visiblement. Mais on a intéressé Xoti, parce que c'est un événement mondain. Ok. Ouais, franchement, on va essayer de s'arranger avec Rinko. Enfin, peu importe qui a commencé, je veux dire, elle a pas de raison de lui piquer sa thune, quoi. Alors, pourquoi devrais-je m'incliner devant vous alors que je ne l'ai pas fait devant Rinko et les siens? Si vous souhaitez vos badges, je suis prêtre. Bah là, pour le coup, on va aller demander, à la doyenne là de ce qu'elle en pense de faire arbitre. On peut plus, zut, on ne peut plus maintenant qu'on a décidé d'aller parler à elle avant, ok, donc on va devoir régler nos problèmes nous-mêmes. Bon, on va se balader un peu dans le village avant de partir, quand même. Donc là, c'est que des trucs à voler, donc ce n'est pas intéressant. Cabane de Mokia, ah oui, on peut direct aller dans sa cabane comme ça récupérer la bourse en speed. Ouais, ça me paraît une idée de merde. Hein. Ça nous fait, on a découvert une nouvelle zone sur cette prime et... Alors, allons voir de l'autre côté. Cabane du chef. Ah, là, on peut ramasser des trucs... directement. Ici on a quoi? Un ouvrier. Très bien. Rien de bien ouf. On va aller parler au chef éventuel si c'est pas Ikawa. Peut-être qu'il pourra nous aider. Bah non, visiblement il y a personne, donc ça doit probablement être Ikawa. Bon, du coup, on va aller retourner Rinko et lui dire que s'il insulte les gens, et ben, faut qu'il assume. Hein, on n'est pas là pour faire ses courses à sa place. Tiens, il y a un autre personnage ici. Namai. Ok, rien de fou. Allez hop, on retourne en ville. On va s'occuper un peu de Rinko. Donc, on va là. Hop, 3h et 3 minutes, hein. Ça me paraît pas insurmontable comme voyage. On fait des petites quêtes comme ça, ça fait de l'XP hein, avant de repartir se battre ou quoi que ce soit, mieux vaut être du meilleur niveau possible tout simplement. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille faire un tour chez les marchands, voir si on peut pas récupérer quelques trucs. Alors lui, on peut pas lui dire blablabla, non, on peut rien lui dire.
genre Rinko, c'est Rinko qui a fait de la merde. Alors, Rinko, on est bien désolé pour toi, mais pourquoi tu l'as insulté aussi ? Alors, j'ai parlé à Mokea, elles affirment qu'elle a gagné à la voyelle et que vous l'avez insultée. Quelle surprise, l'animal s'est parlé et vous avez survécu à la conversation à un morceau. Ok, alors on est sur du bon gros raciste pur jus. Peut-être l'alcool m'a-t-il délié la langue, et alors ? Un homme qui pique l'orgueil d'un de ces sauvages mérite-t-il pour autant une raclée ? La loi est de mon côté. Alors, on peut le menacer pour qu'il avoue tout, on peut lui faire de la thune pour qu'il retire ses trucs. On va tenter la conciliation en mode ça aiderait peut-être si vous les appeliez pas sauvages. Je ne parle que de Mokea, cette harpie au visage de requin, que les créatures d'Ondra lui dévorent les yeux. Elle m'a volé, faut-il que nous vivions dans la rue pour préserver l'alliance de Clario ? Bah on va le menacer, ça va bien deux minutes quoi. Ça vous ne suffit pas qu'elle m'ait ruiné, vous venez en plus me menacer sous mon propre toit, je vous en prie, pour mon fils, je dirai la vérité aux gardes, je le jure. J'espère que les chiens de Clario se montreront plus cléments que vous. Bon, c'est conclusion un peu enfoirée, mais le mec il se pointe, il joue aux cartes, il s'énerve, il insulte des gens, il s'étonne de se faire tabasser, voilà quoi. À un moment. Grant me a posting on the far side of the world. Faut pas non plus déconner quoi. On va aller jeter un œil si le gouverneur n'a pas des trucs à nous dire à ce sujet. Puisqu'après tout il était censé connaître Rinko. Ce que nous avait dit le tavernier je crois. Alors elle nous dit toujours rien d'intéressant. Non. Alors, pouvez-vous me parler de Formagé ? Qu'en est-il des Evanuas ? Ok, ils restent entre eux, nous n'avons pas de raison d'intervenir. Nous en avons quelques-uns, la vie de village est peut-être trop simple pour eux. Ok. Ikawa est l'une des dernières récalcitrantes, ça arrange nos affaires et il est plus facile de négocier avec elle. Alors, des avant-postes, l'archipel était sans intérêt, le théâtre de combat de tribu, désormais il semble que chaque dirigeant d'Eora veuille posséder sa propre île. Alors, certaines appartiennent aux Anuas pour l'instant, si vous posez la question à la compagnie royale du feu éteint, ça ne devrait pas durer. Ok, donc il y a un mec qui, Omoa là, qui a envie de prendre la main sur l'île, hein, très bien. Et il nous dit rien de plus, j'imagine, parce qu'on a, terminé la quête, ou peu s'en faut. Ouais, voilà, on a terminé la quête. Donc du coup, il ne nous dit plus rien à ce sujet. Parfait. Une conclusion qui se vaut, moi je trouve. Bon, on va trouver un marchand. Ce serait cool, alors il y avait elle là. We have supplies here for... have a look. Non, je veux vendre. Ça, on peut vendre. Alors, on peut peut-être trier. Voilà, les vêtements, tous les petits trucs à la con là. Hop, armure matelassée, armure de cuir, les vêtements. Les vêtements, les vêtements. Le plastron. Une armure de cuir. Une redingote, un vêtement et l'armure de main. Et voilà, on vend tout ça. Ça nous coûte 487. Enfin, ça nous rapporte 487. Est-ce qu'elle a une quantité de thunes limitée ? J'ai pas l'impression. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des armes, c'est de l'équipement standard, hein, franchement. On va le bazarder aussi. Allez hop. Ça marche si je fais ça? Non. Il doit y avoir moyen de tout mettre, non? Bon, peu importe, voilà. Les chapeaux à la con, c'est pareil. Ça fait même pas d'armure, donc on s'en fout. Ça, on va garder. On a des pièges? Ah oui, on a des pièges, très bien.
L'artisanat et compagnie, on garde. Les bouquins, on garde. Les objets du navire, on garde. Donc on vend pour 920. Est-ce qu'elle a des trucs intéressants? Elle avait Gueule de la mort. Ouais, qui est bon. Ça, ça serait peut-être pas mal. Regardez, déviation plus 2. Ouais, ça coûte quand même une blinde, hein. 550 pour déviation plus 2, quoi. Allez, hop. On va vider un peu l'inventaire, ça suffira bien. On va aller jeter un œil vite fait. Si Henrik, il a pas mieux. Donc, des armes de standard. Du parchemin. Allez, peut l'utiliser. Ouais. Vengeance brisée, on a dit que ça servait à rien. Ça, ça pourrait être intéressant pour elle. Mais enfin, vous voyez, hein, ça coûte 210 pièces. Le mec, il nous vend ça à 1050, quoi. À un moment, faut qu'on essaie de voir si on peut pas améliorer un peu notre réputation avant ou un truc du genre pour diminuer les coûts parce que c'est hors de prix. C'est totalement hors de prix. Allez, quelles sont nos quêtes du coup? Faut qu'on aille au site d'extraction pour ces deux-là. Ça, c'est la quête pour libérer le mec. Voilà, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va donc quitter la ville. À pied, puisqu'on n'a pas de bateau, tout simplement. Hop, profite du chargement pour boire un peu. Ok, donc on est là. On a donc découvert le site d'extraction Anguiten qui est tout là-bas. Ici, il y a des trucs qui brillent. Sur le chemin, il y a les bois machins. On va avancer, on va voir un peu... comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des trucs qui réapparaissent sur la carte ou peut-être des événements? Donc ici on a les bois. J'imagine que le truc à côté dit qu'il y a des fights. On va aller faire un tour par là, voir. Des bois très denses s'étendent à l'est de Port Magé, ralentissant votre progression. Des oiseaux voltigent au-dessus de vous et des insectes grombissent sans relâche. Le chemin finit par se transformer en sentier animal puis par disparaître complètement. Vous tombez sur un arbre dont l'écorce est creusée de marques étranges qui forment un motif. On peut examiner les marques parce qu'on a de la survie et de la perception. Eder, vas-y. Eder examine les entailles dans le bois puis détache une touffe de poils sur le côté de l'arbre. Ce sont des sangliers qui ont fait ça, et c'est vachement moins intéressant. Regardez ça, un sceau a été gravé, si légèrement qu'il en est presque imperceptible. Vous enfoncez prudemment dans la forêt, les vêtements humides à cause de la moiteur de l'air et de l'eau goûtant de la canopée. Alors, on entend un bruissement dans les broussailles. Alors on peut appeler, ça me paraît pas une bonne idée, on peut essayer de se cacher. Essayons de se cacher. Vous tapez silencieusement derrière un rondin et retenez votre respiration, ce qui à l'origine de ce bruit se rapproche. Par une trouille du feuillage, vous discernez un grand homo insulaire au milieu d'une petite arbre de sanglier. Sa chevelure cuivrée étant mêlée dissimule ses traits tandis que des peaux de sanglier lui enveloppent le corps. Malgré sa présence, les sangliers semblent parfaitement à l'aise. Alors on peut l'attaquer, on peut tenter de franchir la zone discrètement, on peut le saluer. On va essayer de le saluer. L'homme se redresse brusquement et se tourne vers vous, son bâton brandi comme s'il était prêt à frapper. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Merde, on fight? Sérieux? Je voulais discuter, moi. Il me pose des questions, je peux peut-être lui répondre sans lui sauter à la gorge, non? On va voir, hein. Peut-être qu'on va avoir une discussion. Ok, on peut avoir une discussion. L'humeur d'Eder semble s'améliorer à la vue des sangliers, et il imite leur grognement et laisse échapper un petit rire ici et là. Ce n'est qu'après un long moment et apparemment à contre-cœur que son attention se porte sur l'orme étrange qui se trouve parmi les animaux. Bon bah au moins ça met l'ambiance tout de suite. Les replis de la peau de l'homme sont noirs de crasse, ses lèvres retroussées révèlent des dents irrégulières, il agite son bâton. Alors, il porte son attention sur votre faciès, jetant un bref regard à vos armes et à vos vêtements. Oui, car on vient de l'archipel du feu éteint. Vous avez vécu dans ces îles autrefois, je le vois dans votre esprit. Et pourtant, vous puez l'or étranger, la pierre, la poudre à canon et le sang, la mort. Vous devriez quitter ces lieux avant que votre corruption ne se répande.
Alors, on peut lui dire qu'on veut juste discuter, on peut tenter de le bluffer. Je suis venu vous trouver, les habitants de la côte m'ont dit que vous pourriez m'aider. On va tenter ça. L'homme laisse échapper un grognement qui n'est pas sans rappeler celui d'un porc. Il ne me demande jamais rien, il croit toujours en savoir plus que moi qui vit dans ces bois. Alors, il y a Xoti qui a pas trop aimé, peut-être parce que c'était un truc de filouterie. Non, je ne croirai jamais vos mensonges d'étrangers. Pas de discussion, quittez cette forêt, quittez ces îles, retournez d'où vous venez. On va lui dire qu'on lui veut aucun mal. Allez, parlez vite ailleurs alors, vos paroles dérangent ces endroits. Que faites-vous d'ici avec ces sangliers? J'apprends, les sangliers ont beaucoup de choses à enseigner sur la survie si on les écoute, si on les observe. Ainsi chante, non, ainsi parle ceux qui savent. Alors, il secoue la tête vigoureusement. Cette question n'aide aucun de nous, mes avis. Alors, on a deux religions, donc on peut dire, on dirait que vous parlez de Galawain. Vous autres étrangers parlez toujours de votre dieu changeant. Mes avis que vous ne savez rien du changement et encore moins de la chasse. Ok, on va lui dire qu'on veut juste traverser la forêt. Ceux comme vous veulent toujours quelque chose. Cette forêt n'est pas à vous. Ces terres ne sont pas à vous. Partez. Alors, on peut le menacer, mais ça me semble pas une bonne idée. On peut jouer la compréhension en mode « Je ne suis pas ici pour prendre ces terres, mais pour les protéger ». On peut lui dire qu'on chasse un dieu et que si on échoue, l'île subira le courroux. On va le faire. L'homme fronce les sourcils, puis tire un petit sac en cuir de ses affaires et vous le tend d'une main tremblante. On a gagné un collier de dents de sagesse. Ok. Plus 100 en intelligence, plus 100 en histoire et plus 100 en compréhension. Ah, c'est hyper rentable. Alors prenez ceci, ils vous protégeront si vous dites vrai, ils vous égorgeront si vous mentez. Ok, sympathique. Ouais, donc il y avait quand même pas mal de sangliers, un vieux druide et tout. Bon bah très bien, je pense que... On va équiper le collier, parce qu'il m'a l'air tout à fait rentable ce collier. Hop, voilà. Collier en dents, tant qu'à faire, hein, on est bien dans le thème. Bon, il me bloque pas, du coup on peut se balader. Parfait, alors s'il n'y a pas 2-3 trucs à ramasser peut-être. Ouais, il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas l'air. Alors du coup, on va repartir. Bon, bon, on a gagné un collier, puis un presque nouveau pote, c'est déjà pas mal. On va pas dire qu'on aurait pu l'engager, mais ouais, quoique, j'aurais pu essayer. Hein. Ah bah ça a disparu en plus. Ah merde, j'aurais peut-être dû lui reparler. Alors ici on a un ancien champ de bataille. Ce n'est pas toujours aisé de deviner l'identité des combattants ou le motif de l'affrontement, les biens que les morts laissent derrière eux représentent un héritage que quiconque est en mesure de s'approprier. Bon, on va aller piller le champ de bataille sans scrupule. Fouiller la zone. Donc on prend 2 heures pour fouiller la zone, on trouve un faisceau de parchemin portant des runes et des incantations. On a trouvé un parchemin d'éventail de flammes. Bon, ok, très bien. Donc les événements sont vraiment one shot, hein. Là on a carrément la forêt qui a disparu quoi. On peut aller par là. Ah ouais, on voit les énormes traces du géant là. Visiblement on est obligé de passer par le col. Allons-y. Le chemin devant vous porte les traces de nombreuses pistes désordonnées et les rares plantes qui le bordent se trouvant arrachées. Il se pourrait qu'une échafourée ait eu lieu. Alors bah on va fouiller hein. Donc bah toujours Eder hein. Quête de survie, 12 de perception, c'est pas mal. Eder met quelques instants à distinguer un ordre au sein de ce chaos où l'absence de traces de sang semble indiquer qu'il n'y a pas eu lutte et votre compatriote identifie facilement les empreintes griffues de Xorip. La piste semble fraîche. Une liane sèche et fibreuse a été tendue au travers du chemin et maladroitement recouverte de poussière. Au-delà, un groupe de silhouettes en robe se blottit en tremblant un coup de la rivière. Elles sont toutes figées et grises dans la sande, telles des statues de suie. Alors on peut tenter de désamorcer le piège ou le contourner. Bon, on va le contourner. Hein. Vous quittez le sentier battu et poursuivez votre chemin en alerte, les yeux écarquillés à la recherche de nouveaux pièges. Vous entendez des pépiments et des grognements sourds devant vous et distinguez de petites formes sous les frondaisons. Essayez de s'approcher discrètement. Vous approchez prudemment, écartant les armes pour mieux voir. Une poignée de Xorip qui signe et se pro... qui sifflent et se provoquent entre eux, agitent leurs poings écailleux armés de lances. Ils sont réunis autour de ce qui semble être la source de leur dispute, un petit tas de butin vraisemblablement grappillé à d'autres voyageurs.
Alors on peut aviver leur colère parce qu'on est clairvoyant pour qu'ils se tapent entre eux. On va tenter ça. Faut tenter vos pensées et parcourir les esprits simples et chaotiques des primitifs. Vous attisez leur colère comme si vous souffliez des braises. Leurs sifflements deviennent plus insistants et ils commencent à s'attaquer mutuellement. Deux d'entre eux finissent par sauter sur un troisième qui s'enfuit. Les horribles se joignent tous brusquement à la poursuite. Donc on peut du coup récupérer ce qu'ils ont laissé derrière. On a gagné de la thune, on a gagné une cape. Ok. Bon bah c'est une cape lambda du coup. Un stylet. Ok, très bien. Bon bah c'est toujours ça de pris hein. Continuons de suivre les traces de notre ami Eotas. Alors ici il y a un truc, on va aller voir. Avant d'aller là. On a ramassé des fruits frais, ok très bien. Donc allons au site d'extraction voir comment ça se passe. Maintenant on a un vrai chargement. Alors, ok, on gagne direct un niveau, bah c'est cool, on a tous gagné un niveau cette fois. Ce qui montre notre concentration à toujours 60, j'imagine qu'il faut que je le prenne. Alors du coup ici, on va avancer un peu, on va mettre un petit point en mécanique pour filer un coup de main sur les pièges. Et on va partir, on voit que la survie nous a pas mal aidé quand même. On va partir en histoire. Ouais, non, on a une prêtresse pour faire de l'histoire et moi. On va partir sur la survie, allez hop. Au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, on le débloque au niveau 5. Alors, le style à deux mains, bof. Ça, c'est quoi? Frappe pénétrante. On a vu qu'il avait pas masse de points en discipline, hein, mine de rien. Il n'y a pas un truc qui permettrait d'avoir plus de discipline. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Les bonus d'aviation des boucliers équipés sont accrus, il n'y a pas de bouclier. Et là on gagne un bonus de défense. Ouais, contre les... ouais, on va prendre ça. Petite défense passive contre les attaques d'intelligence et tout. Ah, et on peut prendre une nouvelle arme. Donc on a déjà le sabre. On a déjà le bouclier intermédiaire. Qu'est-ce qu'on va prendre? Masse d'armes. Une arme à deux mains, bof. Une arme à distance, ça pourrait être pas mal. Avoir la possibilité d'utiliser une arme à distance en cas de besoin pour mettre derrière, on va prendre ça, grande arbalète. Alors, Eder c'est fait à nous. Donc ici, alchimie, arcane, athlétisme. On va prendre arcane. Non, on va prendre un petit peu en furtivité, plutôt. On a vu que ça peut servir dans pas mal d'événements quand même, de pouvoir se planquer. Et ici, on va avancer l'histoire du coup. Alors, donc elle a un nouveau niveau de pouvoir, même en étant en multiclasse. Appelez une arme divine propre à votre déité et transcendée par votre foi. Ok, donc bof. C'est pour appeler vraiment des armes. Style à deux mains. Style à une main. Style arme et bouclier, donc elle est plutôt là-dessus pour l'instant. Alors, on peut faire apparaître un pilier de jugement divin qui inflige des dégâts contondants et de renversement aux ennemis présents dans la zone d'effet. Ah, c'est... c'est brutal. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une projection énergétique qui se déplace lentement, régénère l'endurance des alliés tout en infligeant des dégâts givrants aux ennemis. C'est pas top parce qu'elle est devant en fait, donc ce serait utile à lancer si elle était à l'arrière pour traverser les alliés et tout. Mais vu qu'elle est devant, c'est pas hyper utile. Donc on peut accroître la concentration, ok. Un petit truc de défense peut-être. L'inspiration dynamisme, plus 5 de constitution, pas mal. Non, on va prendre le pilier, ça paraît quand même plutôt badass. Ah, et on a aussi une compétence de monial du coup à prendre. Très bien.
Mortification de l'âme. Le moine s'inflige instantanément des dégâts bruts et obtient des plaies. Ouais. Danse de la mort. Un canevas de souffrance se tisse de vos mouvements, octroyant un bonus de précision et de plaies qui augmente progressivement. Tout dégât subi met fin à cet effet. Bof. Alors, dans la douleur, le moine peut purifier son corps, ce qui réduit la moitié des de moitié la durée des effets hostiles existants et à venir. Ouais. Ou alors, on peut repousser la cible pour la faire rebondir. Ouais. C'est pas ouf. On a toujours les styles d'armes. Longue foulée, ça fait quoi ? La vitesse de déplacement du moine augmente pendant le combat. Ah bah on va complètement prendre ça. On va complètement prendre ça. Alors du coup, elle a déjà plein d'armes, elle. Plein de compétences d'armes. Qu'est-ce qu'on va lui prendre d'autre ? Stylet, tiens. Ça peut être pas mal pour passer les armures. Hop là. Nickel, je vais vérifier que c'est bien considéré comme une hachette ce truc. Ouais, c'est une hachette. Et donc, à notre tour. Alors, athlétisme, explosif, mécanique. On va continuer, non, pas dans le tour de passe-passe, plutôt dans la mécanique. Ouais. Bluff, on a vu que ça marchait pas trop. Diplomatie, ça peut être pas mal. Compréhension, ça peut être bien aussi. Roublardise. On va améliorer un peu notre bluff parce qu'on est le seul pour l'instant dans le groupe à l'utiliser. Alors, on a découvert du coup, on a aussi deux compétences. Ouais, pour l'instant je peux que faire barbare, allons-y. Frappe barbare. Le barbare délivre une puissante frappe qui inflige des dégâts critiques. Le carnage n'est pas affecté. Ok. Sinon on a le truc standard, ça c'est quoi ? Confère un bonus de dégâts contre tous les sauvages. Ok, les sauvages ça doit être les monstres comme on a vu tout à l'heure là. Peau dure, accroître la valeur d'armure et une présence plus dominante au combat. Ok. On engage un ennemi de plus mais vu qu'on n'est pas au corps à corps c'est pas très utile. Style à une main non. Alors, la précision des attaques secondaires issues d'un carnage. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas une... Je vois pas trop c'est quoi le carnage. Ah, c'est ça. Les attaques du barbare deviennent si puissantes qu'elles se répercutent sur les autres personnages qui entourent la cible ennemie. Pour chaque attaque de mêlée réussie, le barbare lance des attaques qui infligent des dégâts réduits à tous les autres ennemis. Donc on n'attaque pas en mêlée, donc effectivement, on ne se sert pas du carnage. Pour le coup. Ça, j'ai peur que ce soit au corps à corps, en fait. Ok, non, c'est une attaque maximum, ce qui signifie que le personnage applique l'effet par le biais d'une attaque avec toutes ses armes. Donc du coup, on doit pouvoir s'en servir même à distance, quoi. Plus 25% de dégâts, plus 50% de zone d'effet avec carnage, donc ça on s'en fout. Plus 30% des coups convertis en critique, plus 50% de dégâts critiques. Bon, on va prendre ça. Hein. J'aime assez l'idée. Alors, en clairvoyant... Qu'est-ce qu'on a de beau ? On peut prendre fouet cinglant ou fouet épuisant. Ça c'est très intéressant pour nous, hein, parce qu'en tant qu'incendant, il est toujours actif en fait ce truc, même quand notre concentration est maximale. Donc du coup on va regarder un peu. Qu'est-ce que ça fait ? Le fouet de lame du clairvoyant mord encore plus fort, il fait plus 20% de dégâts, plus 50% de concentration en plus. C'est très rentable. Ou alors plus 150% de... concentration en plus, c'est encore plus rentable, ça va nous permettre de monter beaucoup plus vite notre truc. Alors je sais pas si on peut prendre les deux, si je pourrais prendre le deuxième plus tard ou si je dois choisir. Il n'y a pas l'air d'avoir de truc qui dit qu'on peut pas choisir. On va regarder vite fait les autres choses quand même. Alors, liaison mentale. Donc on paralyse un ennemi, on peut immobiliser les gens autour. Là, ça c'est pas mal parce que c'est un truc qui touche que les ennemis, c'est assez rare parmi les clairvoyants.
on fait un bouclier, très bien. On peut lui réinfliger les blessures à un ennemi, les blessures d'une blessure précédente. 30% des dégâts subis sont de nouveau appliqués sous forme de dégâts bruts pendant 15 secondes, hein, c'est pas mal. Lame mentale. Ok, donc ça c'est un truc qui rebondit sur, sur les ennemis. Et ennemi fantôme. Ça, ça fait croire aux gens qui sont pris à revers. Ouais, c'est pas mal, mais on va quand même partir sur ça là. Monter notre concentration, ça me semble pas dégueulasse. Alors, on peut prendre une autre arme du coup. On va quand même prendre un truc de corps à corps. Pof. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une rapière. C'est propre une rapière, j'aime bien l'idée. On va prendre une rapière. C'est classe d'avoir une rapière. Allez hop. C'est quand même pas mal de pouvoir être un peu souple. Ok, alors là par contre, visiblement, donc du coup, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe. On a des mecs qui ont été transformés en pierre. On peut complètement les défoncer et ramasser la thune qu'ils avaient sur eux. Alors, Xoti se plie sur elle-même, appuyant brièvement les mains sur ses genoux avant d'essuyer la sueur de son front. Elle lève les yeux et vous regarde avec un grand sourire. On a gagné des luces d'argent. Alors, si vous voulez m'accorder une minute, j'aimerais effectuer un dernier rite pour ces pauvres âmes défuntes. S'il vous plaît, gardien, sans moi pour les guider, ils risquent d'avoir du mal à trouver la lumière. Alors, nous on voit aucune âme, on va lui dire. Que voulez-vous dire? Regardez tous ces cadavres. Alors, on peut lui dire, l'âme de ces gens a été aspirée par Eotas, leurs cadavres ne sont que des coquilles vides. C'est pour ça qu'ils sont si livides. Donc on a de l'intelligence et de la métaphysique. Et donc on peut dire que Eotas a provoqué un biawak quand il est passé. Eh ben oui, ça fait sérieux. Mes rêves ne sont donc pas purement symboliques, j'ai vu mon dieu traverser des tempêtes. J'ignorais qu'il les créait. Même si je vous remercie de préserver mon amour propre, gardien, deux précautions va mieux qu'une. Donc si vous n'avez pas d'inconvénient, je vais effectuer une rapide invocation. Oui, bah vas-y, écoute, hein, fais-toi plaisir. Hein. Donc elle fait son rituel. Elle invite tous les défunts encore présents dans la zone. Voici le dernier appel pour toutes les âmes, dernier arrêt pour les égarer. Rassemblez-vous à présent, je vous libérerai pour vous emmener dans la lumière. La lanterne vibre dans sa main et la lumière intérieure devient éblouissante. Dans le silence de votre souffle retenu, il semble presque qu'une âme devrait s'élever dans des cadavres, vacillant dans l'air avant d'être aspirée dans la lueur évanescente de la lanterne. Mais les corps cendreux sont privés d'armes et la lueur de Xoti s'éteint sans rien glaner. On va lui dire qu'elle a rien vu, hein. Il fallait que j'essaie. C'est mon honneur et mon devoir de récolter et guider les âmes défuntes lors de leur voyage vers la Renaissance. Avec la mort d'Eotas, nous les récolteurs devons rassembler autant d'âmes que nous le pouvons. Nous allons les garder à l'abri jusqu'à ce que Gaun revienne et puisse les prendre dans sa divine étreinte. Vous me demandez ce qu'elle veut dire? Je garde des armes perdues ici, donc dans sa lanterne, et c'est tout ce que je daignerais dire pour l'instant. Bon, ok, très bien. On a combien du coup de maximum de concentration? 75, putain c'est le drame. Bon bah il y a des trucs à ramasser un peu partout, hein, donc on va du coup pas se gêner puisqu'ils sont bel et bien morts et morts, de chez morts. Ah oui, non, par contre on va effectivement s'arrêter là pour cet épisode qui a largement assez duré. Je vous remercie du coup de l'avoir regardé, de l'avoir joué avec moi, et du coup je vous dis à très bientôt pour plus de Pillars. Merci à toutes et à tous.